Hello chers Gladia, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Eriton. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on parlera de Kijivara. En fait, Kijivara, il n'y aura pas trop à parler. Je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai kiffé, que j'ai aimé. Voilà, parce que il était en France dernièrement. Je suis tombé sur une de ces vidéos-là, ça m'a vraiment, vraiment touché. J'ai compris pourquoi Afonso Arafat, il cartonnait de ouf en fait. J'ai compris ça quand j'ai regardé cette vidéo-là. Kijivara, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort quoi. Dans cette vidéo aussi, on parle du grand, du légendaire artiste malien Ibawan. Qui n'aime pas Ibawan? Qui n'aime pas Ibawan? Ce samedi, au Ménécré Légende, 6 à Toban, le grand Kanko Moussa, Ibawan sera en showcase. On se prend juste après le générique pour certains détails. A tout à l'heure. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. C'est zéro qui n'est pas bon des man à blaca. J'aime de tout moi j'emprunte mon baka. Bon retour chers abonnés, je vous prie de regarder intégralement la vidéo, de la commenter et surtout de la partager. Ces derniers temps, vous ne likez plus trop mon contenu. Mes deux dernières vidéos n'ont pas reçu trop de likes, j'ai pas compris pourquoi. Or, dans les commentaires, c'était presque positif. Mais au niveau des likes, c'était un peu difficile, j'ai pas compris pourquoi. Likez au maximum si vous aimez Irito. Ou bien c'est parce que la résolution de mes vidéos ces derniers temps est bizarre, c'est ça? Je peux comprendre, je vous ai expliqué que c'est un problème que je vais régler. Je suis à l'intérieur pour le moment. Je vais le régler dès que j'arrive à Abidjan. Voilà, parce que j'ai perdu mon téléphone. On m'a volé mon téléphone, chers abonnés. Donc, veuillez m'excuser. Contentez-vous du contenu, c'est-à-dire de ce que je dis. Et après, vous verrez le joli visage de Riton. Parce que tout le monde dit que j'ai grossi, mes joues sont sorties et tout. Peut-être que vous le voyez dans cette vidéo-là. Bref, Ibawan au Ménécré Légende en showcase, c'est une première. Or, Ménécré Légende, c'est un établissement select. Voilà, c'est un établissement qui reçoit que des stars vraiment, vraiment de renommée très internationale en fait. Voilà. Fally Ipupa y a fait un tour, Férégola y a fait un tour. En tout cas, tous les grands noms sont passés là-bas. Donc, vous dites que Ibawan en légende, au Ménécré Légende, je pense que c'est quelque chose de légendaire. Voilà, ça fait trois fois légende. L'entrée est à 10 000 francs seulement. 10 000 francs. Et je pense VIP 20 000 francs. Ne vous faites pas compter ce moment-là parce que montrer aux fans ou bien aux personnes hors de la Côte d'Ivoire que Ibawan a des fans partout dans le monde, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à Daloa, que ce soit partout dans les quatre coins du pays, Ibawan a ses représentants. Et vous allez voir la démonstration de force ce samedi 19 juin, jour de mon anniversaire au Ménécré Légende. Je profite encore pour vous dire, ceux qui auront l'occasion, allez soutenir mon numérus, et mon numérus, excusez-moi, mon numérus, Boukari, Aboukariman, qui sera en One Man Show aussi. En tout cas, j'invite tout le monde à lui donner de la force. Mais, priorité oblige. Il s'agit là de Ibawan. Et Ibawan vient aussi pour le lancement d'une marque, je crois, des Sanf. Je ne sais pas comment on prononce votre truc. Je ne sais pas si c'est Sanf ou si c'est des Sanf, mais franchement, une très très belle marque. Joli logo, de très belles créations. Venez voir, venez découvrir, venez vous procurer les polos, venez vous procurer les articles de cette marque-là. En tout cas, ce sera du lourd. Ce sera vraiment, vraiment du lourd. Normalement, je suis cher payé pour faire la promotion des marques, mais comme c'est Iba, comme c'est famille, comme c'est mon artiste, je fais ça gratuitement pour le propriétaire de la marque. Voilà. Donc, venez massivement ce samedi 19 juin au Ménécré Légende. Il aura des personnalités de très grande renommée. Voilà. Des personnalités sélectes. Des hommes d'affaires, des hommes de nuit, des hommes de médias. Tout le monde sera présent. Donc, déplacement massif. Entrée 10 000. 10 000. 10 000 francs CFA. C'est un mini concert et c'est la fête d'Ibawan. Voilà. C'est Ibawan, c'est pas quelqu'un d'autre. Il faut respecter Ibawan parce que c'est une légende. Après, je vais faire une vidéo, je pense, bien demain, pour vous montrer combien de fois Ibawan surplante le rap malien. Voilà, c'est pas un débat. Je respecte tous les autres talents au Mali, mais Ibawan, c'est le boss. Ça, faut le reconnaître, que tu le veuilles ou pas. Comme on le dit, c'est ça qui est ça. Parlons maintenant de Kejivara. Est-ce que j'ai envie de parler de Kejivara? En fait, j'ai envie de vous montrer que Kejivara est vraiment, vraiment fort. Pour vous dire vrai, je négligeais un peu Kejivara en live. Mais c'est quand je l'ai vu interpréter un de ces vieux morceaux à la perfection. C'est là que j'ai vu que, Kedji, tu es fort. Je comprends pourquoi quand tu fais tes concerts, c'est toujours rempli en fait. Tu es un homme sans bruit. Bon, vous-même, regardez. Ne parle pas, hein. Regardez. Regardez.
Abonnez-vous et partagez. Bon visage. Génération concernée de Paris, qui doit débattre sur nous.